c'est toujours moi qui dois aller à la cave. Y'a quelqu'un? Ouais! Ça va? je croyais qu'il y avait un tueur, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Un tueur? Et qu'est-ce qui vous dit que je suis pas un tueur? Que j'attends lâchement, depuis le départ, que vous tourniez le dos et que vous baissiez la garde, afin de vous enfoncer un couteau au milieu de vos omoplates? Qu'après vous avoir tué, je vous violerai? Je vous découperai en petits morceaux, que je mettrai dans des petits paquets que j'aurai décoré minutieusement et que j'aurai signé de votre sang? Et j'enverrai à toute votre famille. Et que depuis le départ, j'attends que vous descendez à la cave pour exécuter mon plan machiavélique. Mais bon, c'est pas le cas. Bonne journée, hein. Y'a quelqu'un ? Coucou! Ça veut rien dire, retournez-toi pas. Ah bah, je savais pas s'il fallait que je vous voie ou que je vous tutoie. Pourquoi on se tutoierait? On n'a pas élevé les cochons ensemble, à ce que je sache? Bah, je sais pas, j'ai pas très bien de ferme, donc je sais pas. Non, c'est une expression, ça veut dire on se connaît pas, donc on a aucune raison de se tutoyer. Bah, je pensais que ça faisait un peu plus intime en fait. D'accord, mais c'est un manque de respect, moi je me suis pas permis de vous tutoyer, donc vous me tutoyez pas, ok? Et ça, vous me le virez, parce que là, la résidence, ça va gueuler, moi je vous le dis.